Coucou à toutes et coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va un peu mieux. Je vais pas me répéter sur pas mal de choses. Allez voir les vidéos précédentes, surtout une il y a, que j'ai faite, que j'ai tournée il y a à peu près un mois et demi. Donc voilà, mais je vais un peu mieux, mais le deuil est toujours là. Bref, on va pas parler de ça aujourd'hui, on va essayer de se positiver. Aujourd'hui, donc hier pour ma part, j'ai été chez Action. Donc j'ai été chez Action dans ma région à moi, pas dans ma ville parce que c'est dans une autre ville qui est proche de chez moi. Hein, vous inquiétez pas, il y a des transports en commun pour y aller. Bref, donc j'ai été chez Action pour ma part hier. Pour vous, ça fera déjà quelques temps que voilà, il y aura des trucs qui seront déjà à consommer, etc. Entre temps, donc je préfère vous le dire d'avance. J'en ai eu quand même pour 57 euros, un peu plus de 57 euros. Donc voilà, je vous mettrai les prix en barre d'infos, tous les prix en barre d'infos des articles que j'ai achetés. Alors, il n'y a pas de nouveautés dedans. Je préfère vous le dire. Donc, si vous voulez voir des nouveautés, allez voir s'il y a des youtubeuses qui font les nouveautés de chez Action. Je ne sais pas s'il y en a. Sinon, allez directement chez Action pour voir les nouveautés de la semaine de chez Action, parce que j'y vais. J'essaie d'y aller une fois de temps en temps, mais pas tout le temps. Je vais pas toutes les semaines, quoi, par exemple. J'y vais une fois tous les. Je sais pas combien. Voilà. Comme la dernière fois, ça fait un bout de temps que j'avais pas fait de l'action. Donc j'avais pas été chez Action. Du coup, ça m'a fait du bien de faire un petit tour chez Action. Malgré que pour ma part hier, je me suis tapé un temps de merde. Mais bon. C'est comme ça, c'est la vie. Heureusement que les transports en commun sont là. Bref, alors, comme je vous ai dit, j'en ai pour ça un peu plus de 57 euros. Donc j'ai fait moi sur. J'ai mis dans deux sacs différents. Comme ça au moins, voilà. Et donc là, je vais vous parler de tout ce qui est. Non nourriture, non, il y a une partie nourriture, boisson et une partie non machin, qui est une partie un peu, vous avez un petit peu de tout. Donc tout d'abord, j'ai acheté tout simplement des éponges pour la vaisselle, donc c'est des éponges qui sont vendues par 3, des éponges pour faire la vaisselle, donc voilà, vous savez les éponges, toutes vertes, toutes jaunes comme ça, donc je vais voir ce que ça donne, je sais pas comment sont les éponges de chez Action. Rien du tout, je sais même pas si j'ai déjà testé, j'ai fait action, j'en sais rien. Ensuite, j'ai pris un masque pour le visage, comme ceci, donc Shine Bright holographique machin, donc qui est comme ceci. Qui, je pense que je l'ai pas vu la dernière fois, donc je sais pas si c'est une nouveauté ou pas, je peux pas vous dire parce que moi, comme ça faisait un bout de temps que j'avais pas été, comme je vous ai dit, donc voilà. Moi, c'est la première fois que je le voyais celui-là. Donc, comme ceci. J'ai hâte de le tester pour voir ce que ça donne. Et comme d'habitude, je vous ferai un retour dès que je l'aurai testé. Donc, je sais pas, ça peut être dans les semaines à venir ou dans les mois à venir. Quand j'ai toujours des masques. À chaque fois que je vais chez Action, j'achète quelques masques pour me faire plaisir. Parce que les masques de chez Action, comme vous savez, coûtent beaucoup moins cher chez Action que chez Sephora ou un truc comme ça. Après, c'est sûr, c'est pas la même qualité, etc. Mais bon, un masque, c'est un masque. J'ai pris un deuxième masque encore. Toujours pour le visage. Là, cette fois-ci, c'est à l'huile d'amande, vitamine E, il y a écrit. L'autre, je ne sais pas c'était à quoi exactement. Je ne peux pas vous dire. Il n'y a rien écrit. Ah si, à l'eau de rose. Sur pour celui-là, à l'eau de rose. Et donc celui-là, comme je vous ai dit, c'est donc à l'huile d'amande. Comme ceci. Je ne sais pas si c'est une nouveauté ou pas. J'en sais rien. Je ne peux pas vous dire. En tout cas, par contre, les packagings, je trouve que chez Action, ok, c'est des petits prix, mais je trouve que franchement, ils font de l'effort, malgré que c'est pas français, etc. Voilà, que ça vient, par exemple, celui-ci vient de chez. Ça a été produit en Angleterre, je crois. Ben, non, il y a marqué Pays-Bas, Angleterre, donc c'est pas du tout le même pays, hein, mais, voilà. Et là, c'est Pays-Bas aussi, donc je pense qu'à peu près les masques viennent des Pays-Bas à chaque fois. Ensuite, je me suis pris. Alors, je sais que je n'en avais pas besoin. Mais voilà. Je me suis pris des cintres. Donc, un lot de 10. Donc, c'était pas cher. Donc, c'est des cintres basiques, normales, avec des trucs sur les crochets, comme ça, sur les côtés. Hop, sur les deux côtés. Et puis, voilà, évidemment, ça peut emballer. Donc, voilà, il y en a 10 dedans. Hop, je sais pas si vous pouvez les voir. Il y en a vraiment 10 dedans. Ils sont, voilà, en plastique. Voilà. Ça me suffit largement. Ils sont en noir. Je sais pas s'il y avait une autre couleur. Je ne sais pas. Donc là il y avait d'autres cintres mais qui me plaisaient pas trop, donc j'ai pris ceux-là. Donc voilà, donc c'est pour mettre, ce sera pour mettre mes robes, etc. Voilà, mes robes, mes manteaux, mes gilets, etc. Mais voilà, je suis super contente pour cet achat, parce que franchement, voilà.
Ensuite, je pioche à chaque fois. Je me suis pris un liquide vaisselle. Donc voilà, un liquide vaisselle comme ceci. Celui-là, il est à quoi? Il n'y a pas marqué. Non, il y a sur un liquide vaisselle normal, basique. Il y a 1 litre dedans. Je vais voir ce que ça donne. Je vous en parlerai. Je ferai un retour quand je l'utiliserai. Ensuite, je me suis pris un autre paire de chaussettes normales. Donc pas des sockets, hein, des chaussettes. Donc j'ai pris des grises en 39-42. Hop, voilà. Donc il y avait d'autres tailles. Hein, donc, voilà. Parce que en ce moment, je fais une razzia sur les chaussettes. J'aime bien voir des chaussettes, vraiment, parce que vous savez que ces chaussettes, à force, ça use, hein, à un moment donné. Donc là, cette fois-ci, donc c'est des chaussettes, comme j'ai dit, par 3. 77% de coton, 21% de polyamide, pardon, et 2% d'élastane. Donc, je vais voir ce que ça donne. Je verrai bien, j'espère que c'est de la bonne qualité, déjà. Après, c'est des chaussettes, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Ensuite, je me suis pris des sacs poubelles. Donc, il y en a 10 dedans. Donc, il y a 5, c'est des petits sacs poubelles de 50 litres. Hop, ils sont comme ceci. Avec, alors, ça, je suis pas trop fan, donc c'est pas grave. C'est avec les liens comme ça, là, en plastique, là, vous savez. Je préfère les liens directement qui sont sur les sacs poubelles. Mais bon, je sais pas s'ils en sont chez Action. Je regarde la prochaine fois, je regarderai s'il y a, oui. Donc, il y a marqué foire résistant à la déchirure, etc. Fermeture simple. Donc, je vais voir ce que ça donne. Donc, voilà. Ensuite. Ah! Alors, juste pour info, quand je suis rentrée hier, j'ai quand même senti les produits, ça et un autre produit, etc. Donc là, c'est un gel douche, comme ceci, de la marque Nivea. Je connaissais pas du tout. Bah, Nivea, je connais, hein, mais cette gamme-là, je la connaissais pas. Diamond and Argan Oil. J'ai senti, ça sent très bon. La Nivea, ça sent vraiment la peau de bébé à chaque fois. Comme vous savez, Nivea, c'est une peau de bébé. Hein. Donc voilà, j'ai hâte de la tester pour voir ce que ça donne. Donc je vous en reparlerai, je vous ferai un retour aussi sur ça. Ensuite, un autre lot de paires de chaussettes, et cette fois-ci c'est des sockets, c'est pas des chaussettes, c'est des sockets que j'avais déjà pris, que j'ai déjà à la maison, mais j'en ai repris encore toujours en 39-42. Donc là 74% de coton, les autres c'était combien? 77. Bon. Donc voilà, je les connais déjà ceux-là. Donc, alors pour info, ils sont très bien parce que j'en avais déjà acheté il y a quelques temps. Exactement les mêmes, des blanches aussi comme ça. Je sais pas s'ils existent en noir, je pense que oui, mais j'ai pas tilté. Mais je sais pas si j'en ai en noir, je sais plus. Donc voilà, elles sont très bien, franchement. Quand vous avez une petite paire de. Quand vous avez un pantalon avec des baskets ou. Vous avez une robe ou une jupe, vous mettez ça avec des baskets, c'est très bien. Ensuite, j'ai acheté un shampoing de la marque Garnier. Donc ça, je suis pas allergique à cette marque, donc ça va. Shampoing sans silicone à l'huile de coco et beurre de cacao pour les cheveux frisés rebelles. Je m'en fous que ce soit les cheveux frisés rebelles, machin, tout ce que vous voulez là. Donc c'est 300 ml. Je vous ai pas dit tout à l'heure pour le gel douche, c'est un 250, donc c'est le dosage normal. Je l'ai senti, c'est pareil hier quand je suis rentrée. Ça sent très 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 bon. Je connaissais pas du tout cela là, l'huile de coco machin. Je connaissais pas du tout, donc je sais pas si ça fait déjà longtemps que c'est sorti ou pas. Donc il y a marqué nouveau format. Donc est-ce que voilà, à voir. C'est pareil, je vous ferai un retour sur ça aussi. Excusez-moi, ça a fait du bruit. Je fais casser des verres. Comme vous savez, c'est pas un studio, c'est dans mon studio, c'est pas un studio spécial, voilà. Ensuite, je me suis pris ça, donc c'est comme le Febreze, mais en sous-marque. Donc là, c'est de la marque, donc c'est marqué le Fresh Textile, etc. Comme ceci. Donc il y a marqué fruits exotiques. Là, je sais pas si vous allez voir. De toute façon, vous voyez qu'il y a des fruits exotiques ici. Donc je verrai bien ce que ça donne. Parce que je prends toujours de la marque, d'habitude je prends toujours la Febreze ou voilà. Là je vais voir, je vais tester quand j'aurai fini les autres. Donc c'est un 500 ml, donc c'est un dosage normal. Bah, voilà. Je me suis repris des chaussettes. Oui je sais, je vous ai dit j'ai fait une razzia sur les chaussettes. Donc c'est pareil, un lot de 3 encore, en 39-42 toujours. Hop. Donc avec des petits des cœurs dessus. Donc il y en a un avec des cœurs, le gris avec des cœurs. Il y a celui-ci qui est avec des bandes et celui-ci le gris un peu plus foncé avec des cœurs de deux couleurs différentes. Donc voilà, je verrai bien ce que ça donne. Voilà. Ensuite, alors ça faisait longtemps que c'était dans ma checklist sur chez Action.
Et j'étais enfin pris. C'est ça. Alors, c'est des. Ils appellent ça des tea lights. Alors, c'est des, voilà, des bougies chauffe-plat, mais à LED. Donc, c'est des LED. Il y en a, donc, c'est vendu par 3. Hop, voilà, comme ça. Et c'est pour mettre. Comme je vous ai montré il y a quelques temps de ça dans des halls, j'avais acheté des genres de chandeliers, machin. Je pense que vous connaissez. Je pense qu'à un moment donné, ça a fait un carton. Bref, et je mettrai ça dedans. Au cas où, si par exemple je veux faire une ambiance un peu petite ambiance machin nanan ou que je sais pas n'importe quoi, je mets ça dedans et voilà. C'est marqué donc c'est vendu avec les piles incluses dedans. C'est écrit que les piles sont incluses. Donc je verrai bien. Sinon, il faudrait que je voie. En plus, c'est les piles plates donc ça coûte très cher des piles plates comme ça. Donc voilà, c'est vendu par 3. Donc c'est parfait. Je n'ai pris qu'un paquet parce que j'ai besoin que d'un paquet. Ensuite, j'ai pris du gel WC de la marque de chez Harpic. Donc là, Harpic, c'est quand même de la bonne, de la grosse marque, hein, Harpic. Hein, voilà. Donc gel WC, voilà, c'est un combien de millilitres? 750. Donc c'est, voilà, j'ai pas besoin de vous dire plus. Après, bon, ça, je vais pas faire de retour sur ça, ça sert à rien. Mais par contre, donc c'est le senteur pain, si j'ai compris. Donc voilà. Donc, hop, hop, comme ceci. Donc je pense que en magasin normal basique, je pense que il y en a. Hein. Donc, voilà. Ensuite, je suis pris des rasoirs comme ça, des rasoirs jetables de la marque Gillette. Gillette Simply Venus, donc les trois lames. J'adore cela. C'est cela que je vous recommande. Si vous préférez des rasoirs qu'au voilà. Moi, je préfère les rasoirs. Après, je sais, pour l'environnement, pour la pollution, etc., c'est mieux d'utiliser autre chose. Mais moi, c'est que, il n'y a que les rasoirs que je peux. Et je peux que cette marque-là, la sous-marque, je ne peux pas. Ça me fait des boutons partout. Donc voilà. Donc, c'est bon. Il y en a combien dedans? Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, beaucoup, je pense. Donc, c'est des trois lames. Je sais pas, il y en a combien. Il y en a 12. Il y en a 12, c'est marqué ici. Donc, évidemment, c'est marqué à l'envers pour vous parce que voilà. Donc, il y en a 12 dedans. Donc, ça va me faire pas mal de temps. Je pense c'est un des articles. Bah, c'est le deuxième article le plus cher de ma checklist. Ma checklist de ma. Voilà, vous m'avez comprise. Ensuite. Alors, ça fait des mois et des mois et des mois et des mois que je vois ça sur YouTube. Que je voyais ça avant à l'époque sur TikTok. Parce que bon, j'ai plus TikTok, etc. Mais sur YouTube, beaucoup. Tout le monde en parle. Et je vais enfin le tester quand je pourrai. J'ai pris le savon au fiel de bœuf qui est comme ceci. Donc je pense que vous connaissez tous et toutes ce produit. Donc c'est un détachant textile. Donc je vais voir, je vais tester. Je vais le tester sur des vêtements. Je le verrai. Je ferai ça. Ah, je ferai un vêtement à la main, un ou deux vêtements à la main. Et je verrai bien ce que ça donne. J'ai hâte vraiment de tester ça. Voir. Donc voilà. Je sais pas c'était combien, c'était pas cher. Hein. C'est vraiment pas cher. Donc voilà. Après le packaging, voilà. C'est un savon de 100 grammes, comme à peu près tous les savons. Hein. Donc voilà. Après, j'ai repris des sacs poubelles cette fois-ci pour ma salle de bain, pour ma poubelle de la salle de bain. Donc il y en a, c'est des donc 5 litres. Il y en a 30 à l'intérieur. Donc voilà, c'était pas cher du tout. Donc c'est pour ma poubelle de la salle de bain que j'utilise. C'est pareil, c'est la même marque que l'autre d'ailleurs, que les autres. Donc voilà. Et enfin. Donc ça c'est le dernier produit du sac. Je me suis pris encore un cadre photo. Bon, on s'en fout ce qu'il y a dessus. Je me suis pris un cadre photo parce que je me suis acheté une affiche sur AliExpress que je vais recevoir dans une vingtaine de jours. Donc voilà. Bon, après là l'affiche c'est Sean Connery, je crois. Voilà. Mais évidemment je vais l'enlever hein, Sean Connery, on les fout. Je suis désolée, hein, pardon, hein, pour les fans de Sean Connery. Pour son œuvre, mais c'est pas quelqu'un, c'est pas ma génération. Bref, alors j'ai pris un cadre comme ça, donc c'est un 30 par 40 qui est très joli. Alors, par contre, je le mettrai moi comme ça parce que c'est une affiche qui sera comme ça. Hop, je vous montre qui sera comme ça. Et donc, il y a des crochets, il y en a deux, donc comme ça, en fait, je peux le mettre soit comme ça, mais moi, pour l'affiche que j'ai pris, ça va être comme ça. Et donc voilà, je suis contente. Je suis vraiment contente. Alors, c'est l'article le plus cher de tout ce que j'ai pris. Il était à 7,49 €, si je me rappelle bien du prix. Donc voilà, mais vous n'hésitez pas, tout son prix, il sera en barre d'infos au cas où. Si, voilà. Et franchement, les cadres de chez Action,
parce que ça fait déjà plusieurs que j'en prends. Honnêtement, c'est de la super bonne qualité. Ça tient vraiment bien correctement sur le mur. Il n'y a pas de problème, etc., etc. C'est vraiment génial, 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 génial. Ensuite, hop, je vais rapprocher mon sac numéro 2. Comme je vous ai dit, hein, j'ai mis ça dans deux sacs différents. Donc voilà. Donc là, ça va être tout ce qui est nourriture, boisson, etc. J'ai pris des chips comme ça à la tomate. Alors, c'est même pas marqué en français, je crois. C'est marqué en italien. C'est marqué. Ah si, c'est marqué. Si, c'est bon. Chips pommes de terre, goût gusto italiano. Voilà. Ne me demandez pas. Comme ceci. Donc, il y a tomate. Vous voyez, il y a tomate. Ça va être une mozza, je sais pas ce que c'est exactement. Donc je vais voir. Je vais séparer ça, je vous en parlerai. Tout ce qui est nourriture et boisson, je vous en parlerai pas dans mes produits terminés. Ensuite, je me suis pris des mélanges de noix de cajou et de cacahuètes salées au miel. Alors le miel, je déteste, mais comme j'ai vu qu'il y avait très peu de pourcents de miel dedans, je pense que ça peut passer. Si vraiment ça va pas, je donnerai ça à mes parents. Parce que moi, le miel est 2, ça fait moins, ça fait 2, ça fait 50 même. Mais là, comme je vois qu'il y a marqué qu'il n'y a que 2% de miel, voilà. Mais j'ai mis ça sur le ticket de caisse, oh là, j'ai vu miel, je dis oh là. Mais comme je pense que ça peut passer, en espérant que je ne sois pas. Parce que j'aime pas du tout de base le miel. C'est un aliment que je n'adhère pas du tout. Donc voilà, mais après, comme c'est là-dedans, il n'y a que 2% sur 200 grammes, je pense pas que ça va se sentir des masses. Ensuite, je me suis pris mon deuxième, il doit pas être très loin. Je sais pas où est-ce qu'il est, mais c'est pas grave. Voilà. Je me suis pris des noix, des cernes noix, j'appelle ça ouais, des cernes noix, ouais, des noix. On va mettre ça dans quand je fais une petite salade une salade de gésier. Je mets ça tout le temps dedans. J'adore. Vous mettez salade gésier, donc ça, tomate et sauce César et des croutons que vous achetez. Voilà. Moi je prends les croutons, je me rappelle plus comment ça s'appelle la marque, c'est une marque super bien, je crois que le paquet il y a 1,99€, c'est chez Super U, vous pouvez trouver ça je crois, ou chez Carrefour, ou les deux. Bref, donc ça voilà, donc j'en avais pris deux, mais je sais pas où est-ce qu'il est l'autre. Donc voilà, donc c'est 100 grammes. Par contre ça, je pense pas vous faire un retour sur ça, parce que j'ai déjà goûté et c'est super bon, donc je vous les conseille à 8000%. Ensuite, pour la gourmande que je suis. Je me suis pris des Kit Kat, donc des mini Kit Kat, donc c'est des mini paquets, je suppose. Oui, voilà, c'est des mini paquets. Donc voilà, comme ceci. Donc il y en a combien de grammes? Il y en a 12 pièces, donc il y a 200 grammes. Ça, j'ai pas besoin de faire un retour parce que ça, je pense que vous connaissez cette marque. Voilà. Ensuite, je me suis pris, donc ça c'est pour le boulot, je me suis pris une bouteille d'Orangina, comme ceci. C'est une 50 millilitres. Donc voilà. Hop, je me suis pris deux 7-Up. Je ne savais pas qu'ils aient chaque action. J'ai pris deux 7-Up, c'est pareil, c'est pour le boulot. Donc citron, citron vert. Comme ceci. C'est pour le boulot. Parce que. Voilà, ils sont un peu. Voilà. Ensuite, je me suis pris des gâteaux de la marque Lu. Donc Krusty écrit goût noisette. J'adore la noisette, c'est un de mes trucs favoris. Pourtant, c'est gras, je sais. Mais voilà. Donc, comme ceci. Donc, ça, c'est pour rester pour la maison. C'est pas pour le boulot. Ensuite, tout le monde en parle. À chaque fois qu'il y a des gens qui font des vidéos, je fais ça à l'action. J'ai enfin trouvé ça. C'est des cheese. Donc, c'est des gâteaux apéritifs, je pense. Ou un truc comme ça, je sais pas ce que c'est. Donc, cheese au fromage. Donc, il faut aimer le fromage, évidemment. Ceux qui aiment le fromage, ne bah, prenez pas, ça sert à rien. Donc, c'est. Voilà. Il y a marqué snack à base de maïs goût fromage. Donc voilà. C'est pour l'apéro, c'est pour manger ça comme ça. Voilà. Ensuite, je me suis pris une petite bouteille de Coca-Cola Zéro. C'est pareil, en 375 millilitres. C'est pour le boulot aussi. Donc voilà. Ensuite, je me suis pris encore des chocolats. Donc c'est des Milkaway. Oui, les Milkaway. Yes, Milky Way, je crois comment on dit, Milky Way. Donc voilà, comme ceci. Ça c'est pareil, ça va aller directement au frais, juste après, là, dès que j'ai fini ma vidéo. Ensuite, je me suis pris des noix de cajou, comme ceci, donc 150 grammes. Voilà.
J'adore les cajous. C'est. Voilà. Le deuxième paquet de cerises-noix. Et enfin, le dernier article. Oui, dernier article. Je me suis pris. Donc, ça encore, c'est pas. Ça, alors, ça peut être pour le boulot, ça peut être pour la maison. Donc, ça s'appelle Hawaï Tropical. Alors, me demandez pas ce que c'est. Je sais même pas c'est à base de quoi. C'est même pas marqué en français. Non. Si. Ah, c'est jus d'orange. C'est du jus d'orange, simplement. Donc, voilà. Et du coup, le dernier article que j'ai été chercher au frais et que je vais remettre directement au frais juste après, c'est, ça sera déjà consommé quand vous verrez cette vidéo. C'est parce qu'en fait, mes parents viennent me voir. J'ai pris ceci. Ils appellent ça des gâteaux de fête. Donc, je vais voir que c'est. Voilà. Petite pâtisserie comme ça, vendue par 6. Je connaissais pas. J'ai. Voilà. Donc, je vais voir ce que ça donne. Ben voilà. Maman, j'en ai oublié. J'ai quand même pas mal de choses, hein. Donc voilà les gens, j'espère que cette grande vidéo, bah cette vidéo vous aura plu, ça va, une vidéo, ça va, normal, voilà, on est dans la normale, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue pour vous. Comme je vous ai dit, je vous mettrai tout en barre d'infos, les prix, etc., où j'ai été, dans quelle action j'ai été, etc. Alors évidemment, vous avez des actions dans toute la France, hein. Donc allez dans votre action, votre ville à vous. Moi je vais vraiment là où c'est le plus proche. Malgré qu'il faut que je prenne les transports en commun, comme je vous ai dit, pour y aller. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Et puis, bah écoutez, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À liker si vous voulez liker. Si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas à me mettre des questions en barre d'infos, en commentaire. Alors, sans insultes, sans ce que vous voulez. Parce que les insultes, ça sera automatiquement supprimé. Je ne veux pas d'insultes sur mes vidéos. Si ça s'appelle avoir du respect hein, envers les gens. Donc voilà, je vous souhaite à tous voilà, alors pour moi un bon week-end, bon fin de week-end, mais pour vous, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que voilà, prenez soin de vous surtout et voilà, faites vraiment attention à vous. Bisous.